cheval se déplace, diagonale gauche, diagonale droit au front. Et l'enfant doit s'asseoir sur l'équilibre du cheval en même temps que le diagonale extérieur du poney. Donc il doit être synchro avec le cheval. C'est là qu'on remarque que l'équitation, c'est pas si simple. Hein. Donc l'enfant doit s'asseoir en même temps que le diagonale gauche dans ce cas-là. Alors s'ils sont pas sur le front diagonale, ils doivent changer. Alors comment on change? Bon, là, je vais faire une démonstration. Comment on change dans un atelier? On se laisse rebondir deux fois dans la selle et après on est sur le bon diagonale. Oui, mais pas tout le temps, hein, qu'une fois, pas plus. Vas-y comme ça maintenant. Un, deux. Voilà. Et alors, je vais mettre encore un jour. Donc, je ne sais pas si vous savez voir, mais il faut un peu regarder l'ensemble d'un cheval et d'un cavalier et de voir en même temps le cavalier qui s'assied en même temps de diagonale. On va changer de main de la diagonale en L. Alors là, évidemment, on va changer de temps pour que l'enfant devra changer de diagonale sur lequel il trotte. Alors soit on le change en X, le X qui se trouve au milieu de la diagonale, ou soit on le change au bout de la diagonale. Et alors il doit penser à faire tout ça en conduisant, en faisant trotter son poney. Vas-y, Nono. Il y a plein de choses à quoi penser quand on vient. Alors on vérifie sur le tournement diagonale, les cocottes. Un prénom, est-ce que c'est bon? Non, non, est-ce que c'est bon? Oui. Julie? Oui. Zia? Oui. Change. Je n'ai pas besoin de changer. Ah, peut-être trois fois, peut-être deux fois. Zia, vous aurez. Je n'ai pas entendu sa réponse, ma belle. Elle a dit oui ou non? Oui, c'est bon. Alors, vous, c'est bon, Noé? Bethsan? Oui. Léa? Johanna? Super! Voilà, bien! Et ensemble, grande serpentine, Clémence! Grande serpentine! Arrondissez bien la boucle! Une boucle en baie! Belle boucle! Tantôt, tu fermes les croates! Voilà! Poussez bien les gros jambes intérieures! Et vous prenez tout ça pour vous voir! Voilà. Papa, par contre, il y a ça. Elle est bien, elle est bien. Mais il y a ça, en fait, tantôt, je suis accrochée. Et petite serpentine en C. On prend. On n'oublie pas. Écartez, poussez. On reste calme, on place les jambes. Faites attention à votre position. C'est pas grave, Denis, on prend. Voilà. Oh, papa. C'est pas grave. Bien, Noémie, super. Elle a eu peur parce que la grue était grosse, hein. Elle s'est dit, au secours, le bâtard. Trois fois le trot.
reconnaissent bien nos ordres. Ensuite, on commandera un départ au galop. Alors, on n'oublie pas de le demander, départ au galop. Sinon, on va juste trotter. Donc, je vous rappelle que le départ au galop, on va le demander avec un enfant, un cavalier bien droit, des jambes, la jambe intérieure à la tente, la jambe extérieure reculée un petit peu, petit arrière, on pousse avec la jambe intérieure pour demander le départ au galop. D'accord ? On change de main dans la diagonale.